Bon, Fabrice Abriel, ça va être une satisfaction d'être parvenu à l'emporter après une première mi-temps où Soyo vous a tenu un peu en échec, même si vous aviez la domination. Et voilà, il y a ce pénalty qui vous permet de prendre l'avantage en début de deuxième période. Ouais, je crois qu'on avait envie déjà d'effacer un peu cette élimination de Coupe de France, de demi-finale, d'évacuer un petit peu. La meilleure des choses, c'est de le faire par la victoire. Donc c'est jamais très simple de se remettre au travail. On sait que face à Soyo, c'est toujours des matchs accrochés avec très peu d'écart de but. On souhaitait avoir une maîtrise technique du ballon et maîtriser aussi les phases de jeu pour se donner la chance de se procurer un maximum d'occasions et de marquer. Donc sur cette première mi-temps, c'est vrai qu'on n'a pas fait preuve d'efficacité, on manque un peu de justesse, mais dans les intentions et puis dans les décalages, c'était intéressant. Il fallait juste à la mi-temps être un peu plus juste techniquement et insister aussi sur ses pouvoirs et peut-être, si on arrive dans cette surface de réparation, être un peu plus calme, trouver. Je demandais de passer en retrait. Et puis on débloque le match, et on savait que ça peut aussi sur les coups bien arrêtés ou sur un coup franc, un corner bien frappé, ça peut aussi se jouer. Et paradoxalement, vous prenez l'avantage quand Soyo était mieux dans le jeu, avait mieux démarré le 1-1. C'est souvent ça pour l'adversaire qui essaie de revenir un petit peu dans le match. Il y a cette sensation d'être un peu mieux et ils sont un peu moins vigilants. Et c'est à ce moment-là que nous, on peut peut-être utiliser certains espaces à la perte de balle. On a un peu plus de chance là, sur ce pénalty. On a bien provoqué. Et par contre, vous ne regrettez pas avoir fait la différence Pas forcément, on n'est jamais à l'abri d'un retour. Ouais. Surtout, on a vu cette dernière occasion dans les arrêts de jeu. Puis moi, j'avais envie aussi sur cette fin de saison, je veux que tout le monde participe et soit concerné. Je n'ai pas forcément pu le faire, j'ai fait des changements que je semblais nécessaires et utiles. Et il y a toujours des cadeaux, on a cherché à chaque fois. La bonne nouvelle, c'est qu'on fait une bonne opération sur Montpellier qui s'est fait avoir sur son terrain, dans sa race. Ce qui nous permet d'avoir encore un peu plus de points. Et puis en attendant Paris FC demain, on est à 6 points de la 3e place. Enfin, attention à derrière, puis on va aussi un peu devant. Bien, merci. Merci, Fabrice.